Elle est un peu l'icône des quinquas. Véritable modèle pour les femmes, et fantasme pour les hommes, Sophie Marceau est en fait la femme française parfaite pour tous, mais ce statut, peut-être un peu effrayant, l'empêche de trouver l'amour. Attristée par la situation, la comédienne a donc trouvé la solution. Prêt à tout pour trouver l'amour, Sophie Marceau aurait, selon les informations de nos confrères de France Dimanche, pris goût à la nouvelle technologie, et notamment des applications de rencontres. Et si elle n'est pas la seule, Gad Elmaleh, Elie Semoun ou Charlotte Valandré avant elle, l'adolescente de la boum fera certainement partie de celles avec le plus de succès. Un dernier recours pour celle qui a partagé plusieurs histoires d'amour avec Andrzej Żuławski, le père de son fils, Christophe Lambert, ou encore Cyril Lignac. Décidée à trouver l'homme parfait, pour elle. Oui, mais pour un film. En pleine préparation du film I Love America pour Amazon Prime, l'actrice doit se mettre dans la peau de son personnage. Désolé messieurs, pas de Sophie Marceau à la clé, il faudra trouver votre bonheur ailleurs. Et pour voir l'actrice dans le film de Lisa Azuelo, il faudra attendre 2022. En attendant, un petit avant-goût, Lisa, jouée par Sophie Marceau, est décidée à refaire sa vie. À Los Angeles, avec l'aide d'un ami, la célibataire va se retrouver, contre son gré, inscrite sur un site de rencontre et là, l'aventure commence. Rendez-vous gênant, rencontre étrange. Mais l'amour n'est finalement pas la solution. À voir aussi, la rédactionnelle lire aussi Adblock Test. Why?